Et bonjour, c'est l'Amusant Parle et on est parti, reparti plutôt pour les 3 minutes chrono. Et aujourd'hui, devant foison de livres à découvrir, je vous propose, vous avez vu, il y en a quand même pas mal sur l'espace, je vous propose de découvrir Leonardo de Cécile Alix. Ma star préférée, c'est lui. La vie géniale et super drôle du grand Léonard de Vinci. Quoi? Une vie super drôle d'un super-héros, c'est pas possible. Eh bien si, parce que justement, c'est un super-héros. Alors, si vous me permettez, cette 100% bio, je vais vous la présenter. Ma petite dédicace. Voici notre Cécile Alix et l'illustratrice qui l'a si bien secondée, Leslie Play. Franchement, Leonardo, et c'est génial. Je vous montre comment ça marche. Vous avez les personnages, Mélissa, bien sûr, Léo, dit Leonardo, personnage principal en fait, Mélissa, qui est une youtubeuse méga fan de Léo, inventrice, drôle, dynamique, bavarde, et c'est elle qui va te raconter l'histoire. Puis bon, d'autres personnages qui vont venir de temps en temps dans l'histoire, son père, sa mamie qui va mettre son grain de sel, son pépé Fred, Clotaire, notre bibliothécaire cultivée, toujours ouvert et disponible, et puis le lecteur qui va réagir à tout ce que dit Mélissa. Et vous allez voir, vous avez aussi un petit bonus également, à côté d'un mot, vous pouvez filer voir le bonus sur le site du Poulpe en cliquant sur le lien ci-dessous. Avec une vidéo, une info, une interview, une nouvelle découverte, bref, c'est génial. Alors, comment ça marche? Eh bien, tout simplement, c'est Mélissa qui, un jour, s'est retrouvée dans une bibliothèque, vous voyez comme c'est fait, j'adore, et on lui a parlé de Léonard de Vinci. Wouah, le sujet trop lourd! Elle s'est dit, non mais attends, il va, pendant longtemps, ça va être dur, ça va être difficile, je vais supporter ça, je n'y crois pas, enfin, c'est pas possible, Léonard. Non, moi je ne vais pas supporter. Et Léonard, c'est un génie du catégorie 5. Ah bon? C'est vrai? Mais oui. Et elle va le découvrir. Ça va être une révélation pour elle. Et on vous explique pourquoi. Parce que Léonard, tout simplement, regardez comme c'est écrit. Justement, pour ça qu'elle intervient, pour que le monde sache que Léonard, c'est un génie. Parce que voilà, pendant la bio, tout le monde va intervenir. C'est ça qui est super intéressant. Donc Léonard, il a fait tout ça. Et donc en fait, elle va faire une bio, 100% bio, de Léonard, avec des hashtags pour les épisodes, des explications, drôles, mais vraies. Mais oui, lui aussi il a eu des fesses roses de bébé, qu'est-ce que vous croyez? Donc, c'est très très drôle, c'est très très vrai, c'est super bien raconté, c'est vraiment vraiment. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'explications et c'est tout vrai. Donc, c'est super intéressant. Yo, c'est la bio des Léonard de Vinci et franchement, on a envie de la lire et de la relire tellement c'est drôle, tellement c'est bien expliqué. Je vous montre quelques petits. Alors, regardez le jeu de mots. À Milan, oui. La vraie vie de Léonard de Vinci, tout expliqué, vraiment, vraiment tout, hein, expliqué de sa naissance jusqu'à la fin, vraiment très, très bien expliqué, très, très bien dessiné. Ça donne vraiment envie de lire. Et c'est fait, ça ne pouvait être fait que par une artiste de génie. Et c'est pour ça que c'est Cécile Alix qui s'y est collée. Parce que c'est vraiment très très drôle. Supra conseillé par la muse, Leonardo de Cécile Alix, 100% bio. Ma star préférée, c'est lui. La vie géniale et super drôle du grand Léonard de Vinci chez Pulp Fiction. N'hésitez pas, c'est vraiment comme ça que vous allez adorer connaître ou reconnaître ou encore découvrir des stars. Et n'oubliez pas, hein, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. À plus.